magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Et ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans cette tribune. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf. C'est parfait pour ce match. L'entraîneur a donc choisi son système, un 4-4-2. Dans ce système, les milieux axiaux ont un rôle clé. Ils doivent produire beaucoup d'efforts à la fois pour accompagner les attaques, mais aussi dans le replacement défensif. Il faut trouver le bon équilibre, en ayant par exemple un joueur qui reste libre pour venir compenser à la perte de balle. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Il allonge le jeu. Et il cède sous la pression. La bonne passe. Oh, s'il réussit son contrôle. C'est joué long. Attention. La frappe. Oh, quel arrêt. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Premier corner dans cette rencontre. Le danger est repoussé. Essaie de repartir de derrière. Ader Gunay. Bon service dans la profondeur. Bonne intervention. Quelle passe dans la profondeur. La frappe. Et la défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. C'est joué long. Oh, la frappe! Oh, il bute! Le but! C'est tout simplement incroyable! Magic! Ils égalisent, le match est complètement relancé. Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. Oh là là, c'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même.
Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Ah, c'est dommage d'encaisser ce but juste après avoir marqué. Attention messieurs, il faut rester concentré. Ça joue long. Le bon jaillissement. Un peu d'air. L'ouverture lumineuse. Il peut frapper. La passe était parfaite. Dommage. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Dans la profondeur. Il peut choisir de centrer. Ça passera sur le côté. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué dans la profondeur. La longue passe. Tente sa chance. Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça, Grégoire. Tout le reste était bon, pas de soucis, mais ils doivent être plus précis dans le dernier geste. Au tour du gardien de jouer. C'est un match intéressant et équilibré jusqu'ici. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Il est bien placé. Et dégagement du gardien. Il cherche son coéquipier. À la limite de la surface. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il cherche la profondeur. C'est bien fait, ça. Un centre dans l'axe pour personne. Quelle fait du bien cette interception. Un long ballon vers l'avant. Dans la profondeur, bien vu. Bonne intervention, c'est récupéré. Il relance côté droit. Aïe, il peut s'en vouloir. Il décide d'allonger le jeu. Bien joué, ça. C'est le moment de centrer. Oh, attention, la frappe, attention! Sur le poteau. Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas. C'est le poteau qui repousse. Il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts.
et tout reste à jouer en seconde période. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. La seconde période est maintenant lancée. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Et la bonne intervention. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Un centre. C'est osé. Ce contre peut très bien aller au bout. Bien, la profondeur. Le jeu repart vers la droite. Quelle inspiration! Ce ballon dans la boîte. C'était difficile comme geste. Et ça doit faire but! Ça n'allait pas très vite et pourtant ça a failli aller au bout. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper et à la fin il a dû se précipiter. C'est joué long. La défense est battue. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est joué dans l'espace. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Ils obtiennent la touche. Il allonge vers l'avant. Le bon ballon. Passe en retrait vers son défenseur. Ça joue long vers l'avant. Oh, il fallait lever ce tacle. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. Le ballon dans la profondeur. Attention au coup franc dangereux à suivre. Dernier avertissement oral de l'arbitre, la prochaine fois le carton va sortir. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant il sait qu'il ne peut plus se permettre de... Attention la frappe! Et le gardien qui s'en sort d'un rien! Il s'en sort bien sur ce coup-là, mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Il va falloir qu'il se maîtrise un peu mieux, parce qu'il reste encore du temps dans ce match. Danger repoussé pour le moment. La passe dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Il va se planter seul face au gars. On peut y aller. Et ça fait but. Il repasse devant.
aller au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Voici avec un but d'avance. Il décide d'allonger le jeu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. S'il le trouve... Et le raid côté droit, il a du soutien. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Oui, il peut frapper là. Ça passe à côté d'un rien. Ouh, quelle occasion. L'interception au bon moment. Il tente de la jouer dans l'espace. Le centre. Un grand dégagement le plus loin possible. Et il va être sanctionné. Les gestes mal maîtrisés. Logique cette sanction. Carton jaune. Ça joue long, vers l'avant. Le gardien est là, pas de problème. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-moi. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. C'est parfait, magnifique. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Il se dirige tout droit vers cette courte victoire. Dites-moi, ça me... Ça peut faire mal. Oh, ce but au meilleur des moments possibles. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Ils préfèrent repasser derrière. Oui, c'est bien défendu. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Ça doit faire but. Ils s'en sortent. Quatre minutes de plus à jouer. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Tacle. C'est joué long.
c'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Victoire méritée, pas grand chose à dire si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper. On n'a pas envie de rendre l'antenne, Darren, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. C'est toujours un plaisir partagé.